Vous connaissez tous la guillotine, cette machine utilisée pour décapiter certains condamnés à mort pendant la Révolution française. Alors attention, elle n'a pas été inventée par le docteur Joseph Guillotin, comme on peut parfois l'entendre. C'est lui qui proposera la peine de mort par décapitation à l'Assemblée nationale en 1789. On doit la conception de la guillotine au docteur Antoine Louis. Donc, dans la famille Sanson, on est bourreau de père en fils depuis 1688. Sympa l'héritage familial. La guillotine est placée sur un échafaud assez haut pour que la foule puisse assister à l'exécution. Le problème, c'est que là-haut, il n'y a pas beaucoup de place pour que le bourreau et ses assistants se déplacent. Le 27 août 1792, le bourreau, Charles-Henri Sanson, est assisté de son fils Gabriel. Ce jour-là, on exécute des faux monnayeurs. La guillotine tranche net, et alors qu'il montrait au peuple la tête d'un des condamnés, Gabriel Sanson trébuche du haut de l'échafaud et tombe la tête la première sur le sol. Cet accident le tuera sur le coup, et la légende raconte que c'est la seule fois qu'on aura vu pleurer le bourreau à une exécution.